M. Baldé a été élu maire de Ziguinchor sur la bannière du PDS. Aujourd'hui qu'il a décidé de quitter le PDS et d'aller vers la prétention de créer une formation politique, je pense que le courage politique voudrait qu'il démissionne de son poste de maire pour que le jeu politique au plan local soit équilibré et soit normal. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte qu'il quitte cette position, qui est une position privilégiée, parce qu'en tant que premier magistrat de la ville, il doit pouvoir aujourd'hui rendre le tablier comme l'a fait l'actuel président Macky Sall en son temps. Je pense qu'en politique, il faut savoir choisir. Il a choisi de partir, mais qu'il ait le courage de partir avec tout ce que le PDS lui a laissé. Le blocage du conseil municipal. Ouais. La mairie, c'est le PDS qui l'a mis là-bas. Les populations, quand on votait les listes, on a voté la liste du PDS pour élire des conseils municipaux. Nous avons eu la majorité et ces conseils municipaux se sont réunis pour élire un maire sur la base vraiment de parti. Aujourd'hui, qu'il n'est plus dans ce parti. Aujourd'hui, qu'il a décidé de créer sa propre formation, entre guillemets, je doute de cela. Qu'aujourd'hui qu'il ait le courage politique, à l'image de tout responsable. Il ne faut pas seulement considérer les avantages que cela vous procure ou la notoriété que cela vous procure, mais il faut voir la logique, la cohérence et la cohésion dans la démarche d'un homme politique. C'est cela, être courageux. Mais là aussi, il n'existe